Alors, cyclable numéro 9. Bon, j'ai pas choisi le plus beau jour pour faire la vidéo. J'ai refait 2-3 petits tours en vélo depuis la dernière, mais j'ai pas fait de film, c'était trop court, c'était pas intéressant. Alors là, je crois qu'on va pas très bien voir. Mais je suis à Chanceaux-sur-Choisy. Chanceaux-sur-Choisy, c'est une petite ville, une grosse bourgade. C'est une cité dortoir un peu de Tournord. C'est à 6 km de chez moi. Donc là, le long de la grande route, il n'y avait pas beaucoup de vent en fait, ça c'était bien. Bon, il pleut. J'ai vu quelques poids lourds de très très près. Non, je dis ça pour faire peur à ma famille, mais c'est pas vrai en fait. Non, ce que j'ai vu qui était chouette, j'ai vu une dizaine de hérons garde-bœufs dans un champ. Ça, c'était vachement sympa. Bon, c'est le bâti pavillonnaire des années 90, hein. 2000 peut-être, je sais pas. Fin Lionel Jospin, début Raffarin, quoi. Je sais pas. Je suis pas une autorité en architecture quand même. Donc ça, c'est Chanceaux-sur-Choisy. Il faut pas confondre avec Chanceaux-Préloche, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin de chez moi. Jamais je ferai des périples pareils en vélo ou alors en 3 ou 4 étapes, je sais pas. Je suis tellement nul. Chanceaux-Préloche, on en a parlé un peu parce que c'était là qui était organisée la forêt des livres de Gonzac-Saint-Brie. On en a parlé parce qu'il paraît que Giscard y allait de temps en temps. Tous les élus locaux ont ressorti leurs anecdotes. Et donc le maire de Loche, il a parlé de la forêt des livres. Évidemment, on sait que c'est toujours des hommages convenus, mais j'avoue que la mort de Giscard, les gens qui arrivent à dire le premier grand président moderne, putain, moderne, waouh, quelques réformes modernes qu'il a mises en place, c'est parce qu'il a fallu les lui arracher, parce qu'ils avaient peur d'un second mai 68. Sinon, c'était moderne par rapport à quoi? Par rapport à Louis XIV? Ça en dit long sur De Gaulle et Pompidou aussi, hein. Waouh!